et illudit ce jour-là aussi. Croyons donc à l'autre bord. Et ayant renvié le monde, ils prennent comité dans le bateau. Et il y avait d'autres petits bateaux à Condélier et tout. Et il y a eu une grande tempête. Et les loins battaient dans le bateau à seule fin d'elle rompit. Il était dans le dread du bateau à dormir sur le siège du bateau. Il revit et lui dit « Mais, n'es-tu pas gêné si je périssons ?» Il se réveille et l'échounit le vent et dit à la main « Tête, calme-toi. » Elle ventit et eut un grand calme. Et il lui dit « Pourquoi vous aidez pareil ? Pourquoi vous n'avez pas de fouet ?» Et il fut diversement émerveillé. Elle lui entredit qu'il est, que même le vent et la mer y obéissent.